rester allumé. Bonjour Muriel Pénicaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre du Travail. Tout à l'heure, vous débattrez avec Xavier Bertrand qui a dit chiche à un certain nombre de vos réformes et notamment celle de l'apprentissage. On va y revenir. Mais je voudrais commencer par une bonne nouvelle. C'est quand même suffisamment rare. Le chômage n'a jamais été aussi bas. Depuis 2009, il est passé sous la barre des 9% de chômeurs. On a si longtemps commenté les mauvais chiffres de cette fameuse courbe du chômage. Est-ce que ça y est, c'est gagné ? Alors, d'abord, oui, il y a une bonne nouvelle, c'est que je crois que la décrue du chômage de masse a commencé. Après, je ne reviendrai pas sur le chiffre, parce qu'il y a un petit débat d'experts cette semaine, si c'est le boom. Voilà. Enfin, en gros, mais de toute façon, tout le monde est d'accord pour dire quoi qu'il arrive, la tendance est bonne. Qu'il a baissé. On le vérifie statistiquement, mais on le vérifie aussi tous les jours. Moi, il n'y a pas de journée sans que je rencontre des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui sont dans une logique de confiance, les marchés repartent, ils veulent embaucher. On reviendra d'ailleurs tout à l'heure sur leur nouveau problème qui est de trouver les compétences, ce qui est, entre guillemets, le signe d'une reprise, d'une croissance qui s'avère robuste. Ça veut dire qu'au-delà des chiffres, simplement, effectivement, qu'ils soient en dessous de 9, juste à 9, oui. Au-delà des chiffres, pour vous, il y a une réalité. La tendance, c'est que, est amorcée, qu'il y a eu 250 000 créations d'emplois l'année dernière, ça on en est assez sûr, dont 50 000 de cadres. Vous savez que j'étais à l'APEC il y a quelques jours, on n'a jamais eu un tel niveau d'embauche de cadres depuis 10 ans en France. Donc on a beaucoup de signaux positifs, mais il faut bien se dire d'où on vient. On vient d'un chômage de masse terrible, à plus de 10%. Aujourd'hui, on est à 9,7% ou à moins de 9%, maintenant selon depuis quelques jours, selon le jour. Mais on a encore 2,7 millions de chômeurs. Donc on peut pas. Moi, je ne peux pas, en tant que ministre du Travail, me réjouir encore. Je peux constater, et notre devoir, c'est d'amplifier cette tendance, cette décrue. Mais il y a encore beaucoup trop de nos concitoyens qui sont aujourd'hui, parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont seniors, parce qu'ils sont depuis longtemps éloignés du marché du travail, ils voient cette croissance qui repart, il faut que ça soit une chance pour eux de raccrocher le train. Mais vous dites, malgré tout, cette décrue, elle est amorcée. Oui. Ma première question, c'est aussi, est-ce que ça tombe du ciel ? C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi une question de conjoncture internationale ? Est-ce que c'est le résultat des mesures qui ont été prises sous le quinquennat de François Hollande ? Est-ce que c'est déjà les fruits du début de quinquennat d'Emmanuel Macron ? Merci qui ? Alors, moi, je ne dis pas encore merci tant qu'on n'a pas stabilisé, qu'on n'est pas allé plus loin. Mais il est clair qu'il y a un environnement macroéconomique international qui est favorable. Et comme la France est une grande puissance internationale, on en bénéficie. Il y a aussi toute une série de choses qui ont été faites dans le passé. Beaucoup de signaux qui ont été donnés depuis 9 mois. Et par rapport à ça, notre stratégie de l'emploi, c'est vraiment, outre les mesures fiscales pour les entreprises et sociales, il y a 3 éléments clés qui ont démarré, mais on n'est qu'au début, encore une fois. Il ne faut pas se résigner au chômage de masse. Pour moi, c'est un début de tendance, mais il faut l'amplifier parce que quand on a été si longtemps au chômage de masse, le pire, c'est la résignation. Et donc, il faut donner tous les leviers. Les leviers, Il y en a trois. Alors, le premier, c'était clairement libérer les énergies dans le marché du travail. Ça, c'est les ordonnances. Ça, c'est les ordonnances. On le voit tous les jours. Moi, j'ai rencontré des milliers maintenant d'entreprises, de DRH, de syndicalistes. Tout le monde note qu'il y a un climat de confiance, que l'agilité va pouvoir être plus grande. L'agilité, ça veut dire pouvoir prendre des marchés, ça pouvoir s'adapter, conquérir des marchés. Donc là, je pense que le signal, le premier levier, maintenant, il se met en œuvre dans les entreprises. On est au début de la mise en œuvre, c'est pas encore fait. Mais ce signal de confiance, il est donné. Ça, c'est le premier. Le deuxième, alors ça va être la stratégie 2018. Pour moi, elle est centrée et centrale sur les compétences. Parce qu'aujourd'hui, on constate que cette reprise met en lumière tous nos manques en matière de compétences. Et ils sont assez dramatiques. Il n'y a qu'un chômeur sur 10 qui, aujourd'hui, a accès à la formation. Il n'y a qu'un ouvrier sur 3 qui, chaque année, accède à la formation. Et 4 employés sur 10.
et 2 cadres sur 3, ce qui n'est pas non plus énorme. Et donc aujourd'hui, la formation, ça devrait être plutôt l'inverse, non ? Un peu moins pour les cadres et un peu plus pour les autres. Qui en a le plus besoin ? Tout le monde en a besoin avec la mutation des métiers qui arrive. On estime à 50% les métiers qui vont être totalement transformés dans les 10 ans qui viennent. C'est énorme et ça commence dès maintenant. Donc en fait, la stratégie de compétences, c'est la meilleure protection contre le chômage pour les intéressés. C'est le levier d'entrée dans l'emploi pour les jeunes. Mais c'est aussi la reconversion continue, d'où l'enjeu des formations et de l'apprentissage. Et vous voyez, l'année dernière, on a eu cette bonne tendance, sauf qu'il y a quand même 300 000 offres d'emploi qui n'ont pas été pourvues chez Pôle emploi, principalement pour des raisons de compétences qui n'étaient pas ajustées. Donc ça c'est votre nouveau chantier. C'est stratégique pour les individus et c'est stratégique pour nos entreprises et donc la compétitivité. Et vous disiez troisième levier ? Et le troisième levier, c'est celui que j'appelle l'inclusion dans l'emploi. Je suis profondément persuadée, et là c'est 40 ans d'expérience, de moi, de plein d'autres, d'associations, de Jean-Marc Borello qui m'a rendu un rapport sur le sujet, que nul n'est inemployable et qu'on a besoin de tout le monde. Pour aller vers le plein emploi, il faut commencer par dire que nul n'est inemployable et que tout le monde a une valeur à apporter. Et pour ça, pour ceux qui sont éloignés depuis, il y a plus d'un million de personnes, ça fait 2-3 ans qu'ils sont au chômage, ils ne vont pas, juste parce qu'il y a un emploi, pouvoir retravailler tout de suite. Et il faut donc créer les marchepieds. On a mis en place, on a commencé un certain nombre de choses, on va continuer, qui leur permettent, encore une fois, il y a le train de l'emploi est parti, il faut qu'il y ait des wagons pour tout le monde qui permettent à chacun d'avoir accès. Et donc il y en a qui sont peut-être plus éloignés du travail. Regardez, par exemple, chez Pôle emploi, il y a 500 000 demandeurs d'emploi qui sont des travailleurs handicapés. Et ils sont moins qualifiés en moyenne que les autres. Ben, on voit bien, là, il faut renforcer toute la politique d'inclusion dans l'emploi. Il y a les chômeurs de longue durée. Et vous, il y a ceux qui ne sont pas capables d'aller tout de suite sur un travail à temps plein. Et donc, non, ce n'est pas que je suis confiante, je suis mobilisée, parce que je pense que ce troisième volet aussi, si on veut arriver à baisser durablement le chômage, il faut que les entreprises trouvent les compétences, que chacun puisse se développer, et accès, l'apprentissage est décisif pour les jeunes, aussi que ceux qui sont les plus loin, eh bien, on ait les bonnes politiques. Vous avez dit tout à l'heure, pour aller vers le plein emploi. Mmh. Et vous avez aussi dit, finalement, la France sort d'une période où on était dans un chômage de masse. Retrouver une logique de plein emploi, à quel prix ? Je veux dire par là que nos voisins, quand on regarde en Allemagne, quand on regarde en Grande-Bretagne, ils sont effectivement dans ce qu'on appelle le plein emploi. En Allemagne, c'est 3,6% de chômeurs. En Angleterre, c'est 4,3%. Mais à quel prix ? C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux est-ce qu'il faut quitter absolument ce chômage de masse aujourd'hui, au prix aussi de dégrader ce qui est le filet de sécurité du modèle social français ? C'est-à-dire, on a plus de chômeurs, mais ils sont mieux indemnisés. Ou est-ce qu'il faut aller vers, effectivement, un plein emploi à l'Allemagne, mais quitte à avoir, par exemple, des mini-jobs, quitte à avoir des chômeurs qui ne sont pas indemnisés ? Alors, d'abord, je voudrais dire que nous n'avons pas quitté le chômage de masse. On est encore complètement dans le chômage de masse. C'est pas parce qu'il y a un bon chiffre, une bonne tendance qui s'accélère sur la fin de l'année dernière qu'il faut considérer que c'est fait. Non mais l'objectif, c'est qu'on rattrape la moyenne de l'Europe et on est encore de loin, mais de très loin, dans les économies les plus développées d'Europe, ceux qui ont le chômage de masse le plus important. Est-ce que les pays de plein emploi ne le sont pas au prix aussi d'une violence sociale que nous n'avons pas choisi en France ? Nous, on n'a pas choisi les mini-jobs. On ne choisit pas les mini-jobs. Et vous ne le ferez pas ? Vous ne le choisirez pas ? Les mini-jobs, c'est des emplois à temps plein à 400 euros par mois. C'est pas la logique dans laquelle on est. Je crois pas qu'on a un modèle de solidarité, d'inclusion sociale qui est plus fort que ça. Par contre, je pense que oui, on a une économie qui va de plus en plus vers la valeur ajoutée, c'est-à-dire beaucoup vers l'innovation. L'innovation peut être dans tous les domaines. Hein. L'innovation peut être dans les services aux personnes. On a une population âgée ou malade de plus en plus importante. Grâce à la bonne nouvelle qu'on vit plus longtemps, on a besoin d'innover dans les services aux personnes. On a besoin d'innover en technologie, on a besoin d'innover dans tous les domaines. Et je crois que la France, ça ne sera pas le pays du low cost. C'est pas le pacte républicain qu'on a en France. Et donc, c'est peut-être plus exigeant, c'est peut-être un peu moins rapide que faire un cache-misère. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les contrats aidés, je les ai transformés. En Bretagne, c'est les contrats aidés qui étaient quand même, franchement, ont proposé des emplois précaires à des gens précaires, avec un espoir qui se vérifiait qu'une fois sur quatre, qui pouvait s'en sortir avec ça. C'est pas le modèle français. Donc, on a choisi de les transformer en parcours en plein compétences, qui est une démarche plus long terme. Alors, mais tout ce que je vous dis, c'est des réformes structurelles de long terme. Mais on a un peu le sentiment en ce moment. Mais on préfère faire ça et qu'on change la situation durablement
que de faire des cache-misères avec des politiques. Vous savez, c'est très facile de mettre des gens dans des dispositifs pour les sortir provisoirement des chiffres. Et ça, c'est pas responsable. Mais on a un peu le sentiment en ce moment que vous remettez en cause beaucoup des piliers de la France de 45, c'est-à-dire effectivement la question de l'assurance chômage, la question même du statut des fonctionnaires et même une partie de la sécurité sociale. Au fond, est-ce qu'il faut tout remettre sur la table? Est-ce qu'il faut se dire, oui, au fond, révisons tout cela, restaurons tout cela, vous parlez même de révolution, ou est-ce que, non, il faut réussir à garder malgré tout ce modèle? Quelle est votre vision de cette France de 1945 qui a structuré encore tous nos emplois? Alors, je pense d'abord que 90% de vos auditeurs, ils n'étaient pas nés en 1945, vous non, non plus, mais, moi non plus. Mais leur contrat aujourd'hui, leur vie quotidienne souvent repose là-dessus. Ce qu'il faut garder de l'héritage, il y a toujours un mélange entre l'héritage et l'innovation. Si on reste bloqué sur le passé, on n'avance pas. Mais on n'est pas non plus... Mais est-ce qu'il faut faire l'héritage, pour moi, il est clairement, et c'est ce qu'on a mis, et ce que j'ai mis dans les ordonnances, sur le travail, c'est la force du dialogue social, la force du dialogue. Je pense qu'on est un pays où on débat. Notre conception de la démocratie, c'est le débat, c'est la discussion. C'est vrai dans l'entreprise aussi. Et le dialogue social, comme vecteur d'innovation dans les entreprises, vecteur de progrès social, mais aussi de compétitivité, ça, j'y crois beaucoup. Mais allez-vous donc, mettre fin, par exemple, au statut de fonctionnaire? On garde... Les fonctionnaires, d'ailleurs, eux-mêmes sont inquiets. Ils ont le sentiment que... Il ne faut pas poser la question comme ça. La question, c'est quoi le sens? Parce que vous n'avez pas envie de répondre à la question. Non, parce que la première question à se poser, ce n'est pas celle-là. La première question, comme pour la fonction publique, c'est, je pense que notre fonction publique souffre d'organisations qui ne leur permettent pas bien de travailler, et donc ça crée une souffrance, et aussi d'un sens qui a parfois été perdu. Il faut se redire quelles sont les missions du service public, dans quel domaine on doit être dans le service public, et du coup, s'organiser autour de ça. Mais les métiers changent. Vous voyez, l'impact de la transition numérique, oui. C'est un bouleversement total dans la distribution, dans les entreprises. Ça crée plein d'emplois, ça en détruit d'autres. Parce que l'e-commerce, ça détruit des emplois dans la distribution, ça en crée plein dans les transports et la logistique. Donc on ne peut pas maintenir... Mais l'administration aussi... tout ce qui se dématérialise, il y a des pans entiers de l'administration dont le métier va complètement se transformer, voire disparaître, alors que par ailleurs, on a besoin d'infirmières et de policiers. Donc il faut bien qu'on ait une administration qui peut être aussi agile, au sens qui embrasse les sujets de société du temps. L'intérêt général, c'est les sujets de société. Et donc, je crois qu'on ne peut pas prendre un petit bout du sujet, parce que sinon, on ne va pas au bout de la révolution copernicienne qui m'est chère dans l'apprentissage, mais qui n'est pas que dans ce domaine. C'est qu'il faut se reposer. Le monde change et a beaucoup changé. Et peut-être que le problème de la France, c'est qu'on n'a pas changé grand-chose depuis 10-15 ans. Et ça, c'est notre responsabilité, vraiment. C'est de transformer maintenant pour appréhender l'avenir, en gardant nos racines. Une révolution quasiment digne de... Je citais 1945, mais parce que c'est un des moments où on a posé beaucoup des piliers, des fondations à faire dans plusieurs domaines. Encore une question sur la perception des Français. Vous disiez tout à l'heure sur les chiffres du chômage, il ne faut pas que ça reste seulement des chiffres, il faut aussi que dans les faits et dans la vie quotidienne des Français, ils le sentent. Ouais. Question évidemment sur le pouvoir d'achat. Pour la première fois, la cote de popularité d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe chute sous les 50% de confiants depuis 6 mois. Est-ce que c'est parce que vous n'aviez pas anticipé ou perçu l'angoisse des Français sur le pouvoir d'achat? Alors je crois que il y a une attente, on l'a bien vu dans la campagne présidentielle, il y a une attente forte des classes moyennes et populaires sur le pouvoir d'achat. Le gouvernement a pris toute une série de mesures qui sont dans son domaine de compétences, qui augmentent le pouvoir d'achat. Par exemple, pour le SMIC, et il a augmenté de 20 euros il va augmenter à 31 euros à la fin de l'année. Pareil pour la prime d'activité qui encourage le retour au travail. Il y a toute une série de mesures. Mais en même temps, il y a aussi des choses qui ne relèvent pas de l'État, et puis des choses qu'on fait avec du temps. Qui ne relèvent pas de l'État, c'est les contraventions, les assurances. Il y a des décisions, et c'est vrai que les salariés ont pu voir à la feuille de paye au mois de janvier dans le secteur privé, ont tous pu voir que parce qu'on a supprimé la cotisation d'assurance chômage et que c'est l'État qui la prend en charge, ils ont pu voir une augmentation sur leur feuille de paye, mais ils ont aussi des perceptions. Exactement, donc ils ont le sentiment qu'on leur donne d'un côté pour leur comprendre l'autre. Qui relève de l'État, d'autres pas. Et puis deuxièmement, il y a des choses qui ne vont pas se voir tout de suite. La taxe d'habitation, on ne la paye pas au mois de janvier. Donc là, 80%... Donc vous leur demandez d'être patients. Et il y a un certain nombre de choses, ça va être en plusieurs durées. Mais je crois, par contre, est-ce qu'ils peuvent être patients? La patience est toujours légitime, mais nous, notre devoir, c'est d'expliquer que, on ne peut pas
tout feront un jour. Il y a une partie qui a été faite en janvier, il y a une partie qui arrive en fin d'année. Ça sera beaucoup plus fort en 2019. Donc c'est progressif. Il y a aussi des choses qui ne relèvent pas de l'État. Et puis, mais je voudrais dire qu'il y a un axe, un fil directeur dans ça. C'est clairement, c'est la valorisation du travail. Tout l'essentiel des augmentations qui sont faites sur la feuille de paie, c'est pour que le travail paye plus, que le travail paye plus que le non-travail, mais qu'il paye plus qu'avant. Ça sera vrai aussi de ce qu'on fera avec Bruno Le Maire dans la loi PACTE sur l'intéressement participation. Je dirais, il faut que le travail, parce que le travail, c'est, j'allais dire, c'est pas la même chose d'avoir de l'argent. Entre ceux qui travaillent et ceux qui travaillent. La dignité, oui, et puis la dignité de gagner sa vie, comme on dit, c'est autre chose que d'être assisté. Donc je pense que l'aspiration en France, c'est, et ça rejoint avec votre premier sujet, c'est que le maximum de gens puissent réaccéder à l'emploi et gagner leur vie et décemment. Donc la bataille, c'est l'emploi. Avec le travail. Et on poursuit justement avec Edwige Chevrillon pour BFM Business. Bonjour Edwige Chevrillon. Bonjour. Il faut que le travail paye. Oui, vous avez une bonne idée. Muriel Pénicaud, bonjour. Bonjour. Je vais peut-être poursuivre là-dessus. Après, je reviendrai peut-être sur un ou deux points sur l'assurance chômage et on parlera évidemment de la loi PACTE avec l'intéressement et la participation. D'abord, est-ce que il y a une manière très simple de donner du pouvoir d'achat aux Français? Aux salariés, en l'occurrence, bah, c'est des augmentations salariales. On a vu qu'il y a un accord qui a été signé en Allemagne, alors qu'il n'a pas été généralisé, bien sûr, mais enfin, quand même, qui a été avec des hausses suspensielles de plus de 4%, avec certaines règles, en tous les cas. Est-ce que c'est quelque chose... Est-ce que, là, en ce moment, c'est en train de se négocier, les tensions chez Air France, ici ou là. Est-ce que vous dites, négociation salariale, c'est peut-être l'occasion de donner un petit peu plus de pouvoir d'achat aux salariés français? Alors, le système allemand est très différent, parce qu'en fait, en Allemagne, on discute... Bien sûr. Voilà, de façon très très ferme, tous les 3-4 ans, et le reste du temps... Pour dire qu'il y a des tensions donc, en France, mais aussi il y a des tensions. Le début d'année est toujours le moment où il y a les négociations salariales. Voilà. Partout en France, donc c'est toujours un moment important. Je pense que le sujet du partage de la valeur, et c'est-à-dire comment le travail est rémunéré à son juste prix, mais aussi comment on partage la valeur créée, est un point très important. C'est pour ça que sur l'intéressement en participation, oui, ça sera dans le PAC, on va y revenir sur les salaires, est-ce que vous dites que peut-être c'est le moment quand même de partager ce regain d'optimisme dont vous parliez. Ce que je dis, c'est que grâce aux ordonnances travail, on a donné beaucoup plus de pouvoir aux entreprises et aux organisations syndicales ou aux élus du personnel de négocier de tout, de l'organisation, du temps, de l'aménagement du temps de travail et des salaires. Ce ne sont pas des discussions séparées. Si une entreprise peut s'organiser de façon plus agile pour conquérir des marchés, créer de la valeur, il est normal qu'il y ait un retour pour les salariés. Donc soit on est dans une entreprise où tout est rigide et en fait les marges de négociation ne sont pas très grandes, mais dans les entreprises où il y a vraiment un dialogue social, où on va pouvoir discuter des sujets économiques, des sujets sociaux, on va pouvoir l'égalité des hommes-femmes. Par exemple, ça serait bien qu'ils profitent de l'augmentation des salaires cette année pour faire un pas pour réduire les 9% d'écart qui sont à travail égal entre les femmes et les hommes. Entre les femmes et les hommes. Il y a des enjeux de ce type-là. Plateau exclusivement féminin. Ouais, voilà, donc nous sommes bien d'accord pour ça, mais les hommes aussi. Vous dites c'est pas tellement, vous n'avez pas tellement d'opinion là-dessus. Si, j'ai une opinion. Je dis que plus il y a du dialogue social, où on peut discuter d'agilité, d'organisation, d'aménagement de travail, de recrutement, et plus on a les chances d'augmenter aussi les salaires. Les heures supplémentaires, est-ce que vous y êtes favorable? On a écouté Bruno Le Maire qui est plutôt favorable, Gérard Darmanin, le Premier ministre qui lui a parlé de désocialisation. Bon, est-ce que votre position, Muriel Pénicaud, est-ce que c'est une manière facile de donner du pouvoir d'achat? Je pense que le Premier ministre a rappelé ce qu'avait dit Emmanuel Macron dans la campagne présidentielle. Ouais, c'est qu'on va le faire. Et pourquoi? Parce que c'est la même idée. C'est que le travail, enfin, en gros, faut pas freiner ceux qui veulent travailler, et le travail doit payer plus que ceux qui ne travaillent pas. C'est du bon sens. On va le faire, c'est quand ça pourrait être C'est 2020, ça va être un peu plus vite, visiblement. Oui, ça, on verra dans les arbitrages budgétaires, dans quelle année c'est. Mais vous dites que le plus vite sera mieux ou... Je pense qu'il faut avoir une cohérence sur l'ensemble du sujet travail, et il faut encourager le travail sous toutes ses formes. Donc la prime d'activité qui permet à des chômeurs de retrouver le travail, l'exonération des heures supplémentaires, tout ça, ça va dans le même sens. Pouvoir être fier de ce qu'on fait dans son travail, mais aussi en vivre bien. Oui. On sait, pour François Hollande, c'était la courbe du chômage. Là, ça va être la courbe du pouvoir d'achat. Pour Emmanuel Macron, ça va être un peu son talon d'Achille, son baromètre de popularité. La différence, il y a beaucoup de différences, énormément de différences. Je ne pense pas que notre président Emmanuel Macron a dit qu'il y a un chiffre sur lequel on jugera l'ensemble de l'action du gouvernement. Bah, non, je pense quand même. On,
Je pense qu'on jugera. Est-ce qu'on a transformé le pays suffisamment pour qu'il puisse appréhender pour chacun l'avenir avec, avec confiance? L'apprentissage, hein, c'est votre grande réforme. En tous les cas, il y a trois grandes réformes, la formation professionnelle, l'apprentissage et l'assurance chômage. Ça y est, vous, les arbitrages ont été rendus un peu sur le dos des régions. En tous les cas, c'est perçu comme ça. Il y en a un qui fait un petit peu exception, c'est Xavier Bertrand, avec qui vous débattrez dans un instant. Si on écoute Alain Rousset, Valérie Pécresse, qui était à ce même micro la semaine dernière, elles disent, on perd un peu le pilotage, justement, de l'aménagement du territoire en termes de formation. Comment faire pour qu'elles n'aient pas ce sentiment d'être dépossédées en disant, c'est simple, les centres d'apprentissage, ils vont être ouverts dans les grandes métropoles, et puis le reste du territoire français, il va disparaître, en termes de formation, bien sûr. D'abord, je voudrais dire quelque chose. Que ce soit les régions, que ce soit l'État, que ce soit les branches, les partenaires sociaux, on n'est pas au service de nous-mêmes. On est au service d'une seule chose, notre jeunesse. Et on est dans un pays où il y a 1 300 000 jeunes qui aujourd'hui, pour moi c'est un des plus grands drames de notre société, qui ne se projettent pas dans l'avenir. Parce qu'ils ne sont pas en formation, ils ne sont pas en emploi, ils ne sont pas en apprentissage. Donc moi je veux dire, donc il faut changer le système. C'est ce qu'on débattra avec Xavier Bertrand, qui est complètement centré sur cette vision de l'intérêt général, comme moi. Je pense que d'abord, c'est un peu la mobilisation de tous qui fera la différence. Parce que là aussi, on s'est résigné au chômage de masse des jeunes. Et ça, c'est un drame pour un pays, c'est un drame pour eux, c'est un drame pour les entreprises. Parce que les entreprises sont plus à même d'employer, justement, ces futurs apprentis. Le sujet, ce n'est pas de retirer ou de donner du pouvoir à Pierre-Paul Jacques, c'est d'avoir quelque chose qui marche. Aujourd'hui, ça ne marche pas à l'apprentissage. Il n'y a que 400 000 apprentis, c'est 7% des jeunes, alors que tous les pays en Europe qui ont vaincu le chômage de masse des jeunes, alors le Danemark, l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, si je fais l'Europe géographique, ils ont 15, 20, 30% des jeunes. Donc, et pourtant, la réussite est très bonne, puisque 7 sur 10 ont un emploi après. Puis moi, j'ai vu aux Olympiades de métiers, parce qu'on a les JO de l'apprentissage, les World Skills, j'ai vu les meilleurs ouvriers de France. Il y a des gens qui brillent, des yeux qui brillent, ils vivent leur passion. Les branches vont faire le job que ne faisaient pas les régions. Non, pas les branches. La révolution copernicienne, c'est quoi? On arrête de dire c'est les branches, etc. Tout le système va tourner autour des jeunes et des entreprises. Donc ça bouscule tout le monde. Ça bouscule les branches, ça bouscule l'État, ça bouscule les régions. Il faut que le système marche autour des jeunes. Donc l'aménagement du territoire, qui est un sujet. C'est un gros sujet. Le grand changement qui a fâché certains, mais en off, beaucoup me disent qu'ils vont y aller dans les régions, parce qu'il y a quand même une différence entre le discours général et la volonté d'agir au service des jeunes, et je le crois sincèrement dans la plupart des régions. Dans ce cadre-là, on va faire un système beaucoup plus simple qui fait que chaque fois qu'il y a un jeune et une entreprise qui se rencontrent, qui veulent signer un contrat, il y aura le financement qui est assuré. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour ça, évidemment, on ne donne pas le pouvoir de la financière, ni aux régions, ni aux branches. On a un système qui est un peu automatique. C'est le jeune et l'entreprise qui sont les conducteurs dans l'avion. Il n'y aura pas d'évolution. Et donc, les régions, par contre, on va leur donner une dotation de 250 millions d'euros que l'État va leur verser, qui leur permet de corriger les aménagements du territoire. Ça veut dire quoi? Peut-être que dans une zone rurale, il faut rajouter un peu d'argent pour que la section... Mais vous y reviendrez. Les régions auront les moyens de le faire. Juste lycée professionnel, est-ce qu'il faut peut-être le sortir plus du système de l'éducation nationale? Alors, nous, on n'entre pas dans la querelle sur le lycée et le centre de formation d'apprentis. Ouais. Ça, c'est encore une querelle complètement idéologique. Oui, mais elle n'a pas de sens. Aujourd'hui, il y a 700 000 jeunes dans les lycées professionnels, 400 000 dans l'apprentissage. Avec Jean-Michel Blanquer et Frédéric Vidal, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut d'abord créer des passerelles entre les deux. Avoir des campus, comme il y en a à Aérocampus, à Bordeaux, chez Alain Rousset, comme il y en a à Aigleton, dans les travaux publics. Les deux formations qui étaient les sur le même lieu, on peut par exemple faire son CAP en apprentissage, pourquoi pas faire son bac pro sous statut scolaire, refaire le BTS en apprentissage, faire son master ou un ingénieur, ou l'inverse. La question, c'est qui donc le diplôme? Il faut des passerelles. C'est les mêmes diplômes. C'est ce que beaucoup de professeurs font. On prépare les mêmes diplômes, mais avec plus d'expérience professionnelle ou plus de temps en scolaire, et c'est deux voies pédagogiques. Donc ça veut dire faire des passerelles, ça veut dire pouvoir entrer en apprentissage tout au long de l'année. Ça fait partie des révolutions qui vont... Encore un point des chevaliers. Encore une autre copernicienne. Un mot quand même de la loi Pacte, avec justement la volonté peut-être d'intéressement et de participation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Parce que on sait que les arbitrages ne sont pas encore finalisés, mais peut-être sur cette question, ils le sont plus. Alors je travaille étroitement avec Bruno Le Maire qui portera cette loi. Il y a trois sujets sur lesquels je travaille plus particulièrement avec lui. L'entreprise et l'intérêt général, la mission de Nicole Lotta et Jean-Dominique Sénard. Et puis l'intéressement en participation et les seuils sociaux. Sur l'intéressement en participation, j'ai réuni il y a quelques jours
Le COPIESIA, c'est le truc où se retrouvent tous les partenaires sociaux, mais qui sont responsables. Le machin. De, oui, mais c'est très utile, parce que c'est là où on trouve patronat, syndicat et experts qui vont nous faire des propositions. D'accord. Sur l'intéressement. Et l'idée, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, il y a, dans les petites entreprises, il n'y a presque personne qui en bénéficie. Donc ça sera obligatoire dans toutes les entreprises. On y compris les petites. Non, on n'a rien dit sur les conclusions. On ne fait pas les conclusions avant les questions. Mais c'est ce que vous souhaitez. Mais ce qu'on souhaite, c'est que beaucoup plus de salariés puissent effectivement avoir les fruits de la croissance de leur entreprise, le partage de la valeur. Donc il y aura des propositions dans la loi qui sera présentée le 18 avril en Conseil des ministres. Ouais. Merci beaucoup Edwige Chevrillon. Muriel Pénicaud, vous restez avec nous dans un instant. Xavier Bertrand vous rejoint. Il se veut dans une opposition constructive, dit-il. Il dit chiche en quelque sorte. Et vous allez décliner l'un des piliers pour vous de lutte contre le chômage de masse, c'est-à-dire l'apprentissage.